Salut, c'est Slipper Bill. Aujourd'hui, je teste un résonateur de chez Dan Armstrong. J'ai donc entre les mains le modèle bronze de la gamme de résonateurs de chez Dan Armstrong. C'est donc un instrument fabriqué en Corée, qui a la particularité, en plus d'avoir de superbes gravures sur le corps, d'avoir un corps justement très peu épais, un corps slim, en 55 mm d'épaisseur, ce qui va permettre d'accroître grandement le confort. C'est vrai que des fois sur certains résonateurs standards, on a vraiment une caisse qui est assez imposante et qui peut gêner certains guitaristes. Celui-ci a l'avantage d'être beaucoup plus fin. Bon, évidemment, vous aurez donc moins de basse, moins de puissance si vous jouez en acoustique, mais vu que celui-ci est quand même plutôt fait de par sa configuration pour être joué branché dans un ampli, le problème ne se pose pas trop, je trouve. Voilà, pour les caractéristiques de l'instrument, on retrouve donc un corps en bronze, comme je viens de le dire, un manche en natto, une touche en wéné ou palissandre d'Afrique, c'est la même chose, avec 19 frettes. Nous avons une tête folk avec 6 mécaniques bains d'huile type Grover, un cône en aluminium de 9,5 pouces, et ce qui est un petit peu spécial sur ce modèle, c'est l'électronique, puisqu'on a la possibilité de blender, de mixer deux types de micros. On a un micro piezo là-dessous, et on a un lipstick, comme vous voyez ici, un lipstick de chez Kent Armstrong, et qui permet justement, notamment dans les crunchs et les drives, vous le verrez dans la démo, d'apporter ce petit truc en plus. Il est assez peu puissant, hein, mais il permet vraiment d'ajouter du gras, ce côté électrique en fait, qui marche vraiment bien. Ici, on a donc un switch pour activer ou désactiver justement ce micro lipstick, le volume et le tone, encore une fois, du micro lipstick. Et sur le dessus, on a un préampli classique de chez Artek, le ETN-MG, qui permet d'abord d'avoir un accordeur, ce qui est plutôt pratique. Et ensuite, on a ce qu'on appelle un blender, donc voilà, ça permet d'ajouter plus ou moins du micro magnétique, justement, du micro lipstick. Au micro piezo qui de base est enclenché. Ensuite on a un égaliseur 3 bandes, aigu, médium, basse, donc là plutôt classique comme sur n'importe quelle guitare électroacoustique on va dire. Et ensuite le volume, du volume du micro piezo, ce qui vous permet donc de mixer complètement en termes de volume, c'est tout à fait indépendant, le volume du piezo et le volume du lipstick sont indépendants et vous pouvez gérer la dose en fait que vous voulez de chaque. Donc c'est assez pratique, même chose je le montrerai tout à l'heure dans la démo. Voilà, donc pour les caractéristiques de cet instrument qui franchement est superbe, on a vraiment une belle finition je trouve, hein. Vraiment il n'y a rien à dire, l'instrument est très très beau, on a ce triple binding là autour de la touche qui est vraiment vraiment franchement superbe. Donc voilà, je suis pressé de vous le montrer, c'est ce que je vais faire tout de suite comme d'habitude. Je vais brancher tout ça dans mon Fender Pro Reverb. Vous allez voir, je vais utiliser quelques pédales pour la démo, pour vous montrer quelque chose de très clean, avec une jolie reverb. Je vais utiliser ma Strymon Flint que j'adore pour ça. Et ensuite, je rajouterai quelques pédales pour donner du drive, ce qui est très sympa, avec ce genre d'instrument, que j'ai aujourd'hui accordé en open de sol, et donc que j'utiliserai aussi en grande partie, vous verrez, avec un bottleneck, parce que je trouve que ça s'y prête franchement bien. Voilà, donc je branche tout ça et je vous dis à tout de suite.
Thank you.
Voilà donc pour ce Resonator modèle bronze de chez Dan Armstrong. Vous me direz en commentaire ce que vous avez pensé du son de l'instrument et puis de l'esthétique aussi. Moi personnellement, j'aime beaucoup beaucoup l'esthétique et ce format slim que je trouve vraiment très confortable. Si on fait de la scène, c'est vraiment pratique. On va limiter aussi le larsen du fait d'avoir une caisse un petit peu plus petite, ce qui est pratique quand on commence à driver comme j'ai pu faire un petit peu à la fin de la démo. Donc franchement ça c'est super, les micros fonctionnent très bien, dommage que le lipstick soit si léger dans le mix, mais bon voilà, on l'entend quand même, il est là. Hein. Mais c'est vrai qu'on aurait bien aimé avoir peut-être un petit peu plus de puissance dans le micro lipstick en position manche ici. Voilà, donc c'est vraiment le seul petit bémol que j'y trouve, mais globalement ça marche bien, le piezo fait très très bien l'affaire, même rien qu'avec le piezo vous avez, je trouve, un son qui est superbe, que ce soit en clean ou en crunch ou en saturé. Et en termes de confort du manche, c'est super, le manche est assez rond, il n'est pas trop trop gros, franchement il tombe bien sous la main, il est assez agréable. Et puis encore une fois, cette finition, ce triple binding autour de la touche, j'aime beaucoup, franchement c'est top, ça tient bien l'accord, les mécaniques sont super. Et puis voilà, avec l'électronique, on peut régler un petit peu comme on veut le son, il y a un accordeur intégré, donc... il n'y a pas grand chose, franchement, à reprocher à cet instrument qui sonne vraiment bien. Voilà, donc si vous avez envie d'aller l'essayer ou directement de l'acheter, si vous êtes rennais, n'hésitez pas donc à aller chez Sonos, qui encore une fois me l'a prêté aujourd'hui, et je les remercie chaleureusement. Sinon, n'hésitez pas à aller sur le site Sonos pour avoir les infos un petit peu plus précises sur l'instrument, et sinon, essayez de le trouver là où vous pouvez, si vous n'êtes pas rennais, je sais que c'est a priori Fred Guitar Parts qui distribue ça. Vous pouvez aller voir sur leur site si vous voulez avoir plus d'infos, et puis voir les autres modèles aussi, quoi. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour être au courant de toutes les vidéos qui sortent. Et si vous avez aimé la musique, n'hésitez pas à aller visiter mon site internet qui s'appelle sleeperbill.com et à me suivre sur les réseaux sociaux, notamment Instagram. Ça s'appelle aussi Sleeperbill, c'est affiché juste là. C'était Sleeperbill en partenariat avec Sonos, que je remercie encore une fois pour le prêt de l'instrument. Un grand merci à tous de m'avoir suivi et à très bientôt.